garder. Donc il faut des études. Oui, absolument. On en a pas la fin. L'article 100, voilà. Parce que le 31 c'est le dernier. Le sac, il y a client, parce que mon mot de passe entre deux, les banques, les dates, les gars, lui-même, le mot de passe, Bonjour, karalikoum. Donc on est là pour sensibiliser en même temps les commerçants et les consommateurs, les clients qui achètent, bien sûr, sur l'importance d'utilisation des moyens de paiement électronique. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est le TPE, Terminal Paiement Électronique. Donc moi je fais appel beaucoup plus aux commerçants, donc qui se présente au niveau des banques beaucoup. Le moyen de paiement électronique, donc ça aide premièrement côté loi, donc c'est la loi 11-2018 qui oblige les commerçants de se doter de ce moyen de paiement. Voilà. D'un côté, donc, il facilite les transactions financières entre le commerçant et le consommateur. D'un autre côté, donc, il assure la sécurité des fonds et des transactions. Donc, il y a une les moyens de paiement électronique, la réglementation en Algérie, donc la loi de finances 2018, article 111. Qui oblige les opérateurs économiques de mettre à disposition des consommateurs des moyens de paiement électronique. Donc, ces moyens permettent des transactions économiques transparentes et aussi assurent quand même une sécurité pour les consommateurs. Et c'est un moyen pour la protection de l'économie nationale. Il faut savoir une chose, que le dernier délai pour ces paiements, la procuration de ces moyens de paiement électronique, c'est le 31/12/2024. أوراس تي في حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.